Je sais pas si vous êtes au courant. De la loi Macron. Ça vous dit quelque chose, la loi Macron? Alors moi déjà, la loi. Moi je suis très bête. Je suis un citoyen très moyen. Et quand on me dit la loi, c'est par exemple, pour moi, la loi, c'est interdit de voler, par exemple. Hein? Je prends quelque chose de simple pour que vous compreniez bien. Et là, on appelle ça la loi. Et il y a 106 articles, 106, hein. C'est pas 12, c'est pas 24, 106. Déjà, il fallait le trouver. Et ça te parle aussi bien du travail du dimanche, enfin, du travail du dimanche, qu'on veut nous faire, enfin, pas moi, mais qu'on veut vous faire travailler le dimanche, aussi bien remplacer les lignes SNCF par des autocars, les nouvelles sociétés de taxi qu'on appelle je ne sais pas quoi. Enfin bref, c'est pas une loi, c'est un fourre-tout. Tu sais, tu vas au marché, t'achètes de la viande, des légumes, des fruits, des machins, et encore là, il y a une unité, hein, t'achètes. Il n'y a aucun rapport entre la viande, les fruits, mais t'achètes. Alors que là, c'est interdit de faire ça, c'est permis de faire ça. C'est, en fait, en regardant bien cette chose là qu'on appelle une loi, c'est surtout permis de, et je mesure mes mots, de remettre en cause les droits des gens qui travaillent. Vous voyez ? Et en général, bon, on nous a élevés dans le culte du travail. C'est si tu travailles pas, t'es un moins que rien, t'es un feignant, t'es rien. C'est simple, t'es rien si tu travailles pas. Enfin si, t'es chômeur. Mais comme dit le dénommé Macron, là, le mec qui a soi-disant pondu la loi, parce que il l'a soi-disant pondu. Parce qu'en fait, cette loi, ça fait partie du rapport Attali qui avait été pondu pour Sarkozy. C'est quand même à mourir de rire. Et, alors, comme il dit le petit Macron, pardon, c'est moi, si j'étais chômeur, enfin, il ne dit pas comme ça, mais ça veut dire, moi, si j'étais chômeur, je murmurais le cul. Alors d'abord, chômeur, il risque pas de l'être, parce qu'on ne va pas le virer, et puis même si on le vire, il est millionnaire, donc il n'en a rien à secouer. Et il se remuerait le cul, et ben moi, je me le mettrais bien au chômage. Mais enfin, bon, c'était pas là le sujet. Le sujet, c'est quand même que cette loi, qui a 106 articles, moi, je ne comprends même pas. Mais alors, je ne comprends pas comment des représentants du peuple, vous savez, ces gens qu'on appelle des députés, c'est des représentants du peuple, acceptent de participer à un vote sur une soi-disant loi qui regroupe 106 articles aussi différents que tout ça. C'est comme si on me faisait une loi où on me dise à la fois il est interdit de brûler un feu rouge et il est interdit d'allumer une lampe électrique. Enfin bref, tout ça pour vous dire que le fond de mon sentiment, c'est que franchement,
on nous prend pour des cons.